Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de Parfum d'âme de ce mercredi 19 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, petite philosophie du matin, eh bien aujourd'hui c'est ranger ses pensées. Si maintenant vous avez des pensées négatives, il faut les ranger, n'est-ce pas? Si vous avez de pensées malsaines, il faut les ranger. Alors, comme on range un tiroir ou un placard, faire le tri dans ses pensées, eh bien, éliminer les vieilles ou les mauvaises qui vous empêchent de vous épanouir dans des nouvelles pensées, qui vous réduit votre mental, celle qui prend trop de place et exprimer celles qui sont refoulées, c'est important aussi. Se vider mentalement au bon sens du terme, n'est-ce pas? C'est-à-dire faire place neuve, faire peau neuve et observer comme on se sent mieux après. Ranger vos pensées limitantes, vos vieilles pensées qui vous empêchent, qui empêchent les nouvelles de s'épanouir. Belle philosophie de ce matin. Acceptation aujourd'hui. Acceptation, j'accueille et je reçois les présents de l'univers. Alors, l'univers, il va vous mener là où il faut que vous alliez pour évoluer. Et il vous invite, cette carte vous invite à vous laisser guider par l'acceptation des choses en général ou de vous-même sans trop chercher à intellectualiser les choses ou avoir les réponses dans l'immédiat, car bien souvent, n'est-ce pas, eh bien, la vie vous offre des cadeaux sous forme d'enseignements très bénéfiques pour votre évolution. Donc, plus vite vous accepterez les situations complexes, eh bien, plus rapidement vous passerez à autre chose et en mieux grâce aux enseignements appris. Parce qu'il est évident que lorsqu'on accepte quelque chose, on apprend et on est ici en apprentissage. Ça nous permet, eh bien, de réaliser que nous devons vivre nos expériences, nous devons accepter certaines choses pour comprendre. Ce sont tous des enseignements qui nous sont donnés à vivre. Alors, pourquoi pas faire ce premier travail sur vous, l'acceptation? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous vous aimez? Eh bien, aujourd'hui, aimez-vous, chouchoutez votre corps, prenez soin de vous et de votre âme. Et si vous peinez à vous accepter physiquement, eh bien, mettez en place des stratégies vous permettant de vous sentir mieux, de rééquilibrer votre alimentation, faire du sport, du yoga, de la danse, etc. Trouvez un bon moyen de mieux vous sentir moralement, ce qui se ressentira évidemment physiquement, n'est-ce pas? Alors, faites-vous plaisir en apprenant à vous apprécier tel que vous êtes,
car vous êtes une très, très, très belle personne. Et arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez d'être sévère. Soyez dans la douceur avec vous. Aimez-vous. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres et vous ne laissez pas les autres vous aimer parce que vous mettez une barrière. Donc c'est un travail à faire, n'est-ce pas? Vraiment. Et quel beau travail d'apprendre à s'aimer. Et dites-vous que vous avez fait jusqu'ici de votre mieux avec ce que vous aviez. Même si c'est pas, si c'était pas toujours droit, mais voilà, vous avez fait des erreurs, ben oui, vous les avez faites. C'est comme ça, vous avez appris, et vous avez appris de vos erreurs. Quel beau message, n'est-ce pas? L'acceptation. Alors, je termine avec énergie de guérison aujourd'hui, le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Et peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, heureuse. Je m'élève, eh bien, au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers notre Créateur. Très beau message des énergies de guérison. J'ai le choix. Eh bien oui, nous avons toutes et tous le choix. Voilà, nous avons notre libre arbitre. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à demain, je vous embrasse. À demain.